Hello les gars, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans ce vlog directement avec ma petite routine depuis qu'on a notre robot D-Bot T10 de la marque Ecovax. C'est beaucoup plus simple. Pendant que je fais d'autres tâches, lui s'occupe de nettoyer la maison. Je voulais vous montrer un peu plus en profondeur ce qu'il pouvait faire. Moi j'adore parce qu'il passe dans tous les recoins. L'application est hyper ludique, vous pouvez changer les modes et l'appareil a tellement de modes, de puissance. Vous pouvez vraiment vous adapter envie selon vos besoins. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une caméra intégrée. Donc je trouve ça top. Je vous mettrai toutes les informations bien sûr en barre d'infos. On a aussi un assistant vocal grâce à l'application, l'assistant Yiko. Et ça rend l'expérience d'utilisation de ce produit encore plus simple et agréable. Ok Yiko, tu peux arrêter le nettoyage. Hey les gars, j'ai reçu plusieurs wigs synthétiques. Je sais pas ce qui se passe, les marques là. En ce moment, ils veulent m'envoyer que des wigs synthétiques à essayer, donc I'm here for it. Et comme ça, au moins, je pourrais vous montrer d'autres alternatives. Et ça nous permet d'avoir plusieurs wigs pour pas cher, pour changer de temps en temps, c'est bien. Donc j'en ai reçu 3 que j'ai choisi, mais en fait, je me rends compte que j'ai choisi 3 perruques noires. Bon, ma foi. Je voulais vous montrer ça dans ce vlog là, mon petit haul. Comme ça, vous allez pouvoir choper pour votre été. Ça, c'est une wig bandeau. Vous vous souvenez des wigs bandeau, là? Imitation kinky hair. Donc, imitation cheveux crépus. Oh, trop bien! Regardez, ils m'ont donné des créoles. Oh, je suis trop contente. Ça, j'aime trop les créoles. Avec des faux tatouages. Et des bandeaux aussi, en plus. Ok. Il n'y a que des épingles en haut, mais pas en bas. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Il y a des épingles en haut comme ça, mais pas en dessous. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve ça cute. Je me regarde au miroir, là. Hey, guys, ça me va, hein. Non. Donc là, si tu veux, tu peux genre laisser un peu des cheveux, sauf que bon, moi, j'ai des nattes en dessous. Mais tu vois, tu peux faire des baby hair et tout. Et tu mets ça. Par contre, je sais pas si elles sont résistantes à la chaleur. Faut faire genre des boucles et tout, mais c'est cute hein. Bon, par contre faut couper un peu, c'est cute. Je sais pas ce que vous pensez de cette perruque là, mais j'aime trop. Ok, ça c'est une perruque kinky et courte, mais genre en mode afro, tu vois. Je vais essayer et c'est bien parce qu'il y a des épingles sur les côtés. Et il y a un élastique. Guys, voilà, comme ça tout de suite, ça le fait pas. Mais... Oh, il y a une frange. Celle-là, par contre, j'aime beaucoup le délire. Ça fait... Moi, je trouve que ça fait grave naturel. Hein. Ça me choque pas du tout. Et vous voyez, plus vous faites comme ça... Plus elle prend volume et tout, elle devient beaucoup plus naturelle et les boucles elles sont moins trop définies là. Et franchement, ils ont bien fait de mettre des créoles avec parce que genre là j'ai déjà mes créoles et ça fait vraiment une vibe. Non, ça j'adore. On passe à la suite. C'est un peu le même style, mais je pense que les boucles elles sont plus détendues et c'est plus long, vous voyez. Et donc à l'intérieur c'est pareil avec les épingles et le truc qui attache en dessous. Ben donc ça, il y a une frange en fait. Oula. Attendez. Ça, je comprends pas trop. Non, j'aime bien. Mais attendez, guys. Tout me va. Ou bien c'est quoi en fait? Tout me va. Non, ça c'est Dieu donné, hein. Ça, on dit c'est Dieu donné même. J'aime trop. Donc bref, encore une fois, je vais mettre toutes les informations en barre d'infos et c'était vraiment pas cher les perruques. Et je vous laisse avec la suite du vlog. Hein.
écoutez les gars, il est 8h il me semble. Et on commence le premier jour du egg diet là. Je suis tombée sur ça sur YouTube. C'est parti, j'ai un peu assaisonné quand même, j'ai mis sel, poivre et persil. Donc c'est 3 œufs durs. En fait il y en a un que j'avais déjà cuisiné hier, donc je l'ai pris en plus, il est au frigo. Plus 2 que j'ai cuisiné aujourd'hui. Et c'est parti. Là j'ai essayé de le faire que sur 3 jours parce que ça c'est des trucs, tu peux pas tenir un truc comme ça. En fait si tu peux, pendant genre 10 jours, il y en a qui l'ont fait, hein, 10 jours, 2 semaines, 1 semaine et tout. Mais je trouve ça pas très sain déjà comme régime, tu vois, enfin même tout ce qui est régime c'est pas ouf. Donc je le conseillerais, je vais d'abord boire. Donc je conseillerais à personne de le faire sur la longue durée. Je trouve que si tu fais longtemps, t'as plus de risques de reprendre vite. Ce que t'as perdu là, c'est vraiment un truc en mode boost. Ça par contre, le thé vert le matin, ça fait trop du bien. Donc ça va être ça, on va voir comment la journée va se passer. En plus, j'ai décidé de faire ça sur le week-end. Donc on va voir, guys. J'ai essayé de regarder plein de vidéos, de voir un peu ce que les autres elles faisaient. Mais j'ai pas trop de vidéos en français. On verra si j'arrive à tenir. Mais genre ce régime, les meufs, elles perdaient 1 kilo par jour. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je me juger? Oui. Chris, il est contre mon régime. Mais j'expliquais justement que c'était que 3 jours. C'est que 3 jours. Tu sais, il y a des meufs, elles font ça pendant 2 semaines. Moi, je pourrais pas. Déjà, 3 jours, je ne sais même pas si je vais tenir. Dans mon fiston. Malgré le manque de soutien de ma famille. Ah oh. Même mon chien ne me soutient pas. Je vais rester focus sur mon objectif. En vrai, si j'arrive à le faire pendant 3 jours, je le referai avant de partir en vacances. Bon les gars, il est midi 24, je suis en train de préparer mon repas de ce midi, donc je vais vous montrer, hein, c'est toujours des œufs. Et cette fois-ci, on a le droit à une pomme. Et je suis en train de préparer aussi le repas de Chris, je vous fais une bruschetta. Donc là, cette fois-ci, pour avoir l'impression de manger autre chose, j'ai mis du piment en poudre, du sel et un peu de poudre de poisson. C'est le truc que j'achète au bled. Et avec toujours mon grand thé vert, c'est un thé vert à la menthe. C'est Chris, il a volé ça à son travail, à son ancien travail. Ouais. Et ma pomme. Bon app. Et voilà le plat de Chris. Alors bruschetta pesto, j'ai fait une petite préparation, tomates cerises, huile d'olive, ail, tu mets un peu d'épices, c'est quoi j'ai mis, basilic, après sel poivre hein, comme d'habitude, et des petites billes de mozzarella et du fromage râpé. Miam miam miam. Il est 14h. Là, il y a Aaron qui dort. Chris, il reprend son télétravail. J'ai mis ma famille d'abord à la télé. Je suis mais KO. Genre, j'ai zéro énergie. Je sais pas comment je vais tenir jusqu'à ce soir. Chris, il me dit que si j'ai faim, j'irai manger un fruit. Mais je sais pas si on a le droit en fait de manger des fruits à volonté. Mais si j'ai faim, je m'y mettrai. Hein. Parce que là, en fait, je suis vraiment fatiguée. Et il y a. Que j'allais dire quelque chose, c'est ça. Ah oui, j'allaite aussi. Donc, peut-être que c'est ça qui me fatigue en plus. Bref, je vous tiens au courant. Il est 15h30. J'ai mal à la tête. Vraiment, je sens que je suis faible. Comme je sais pas si je voulais déjà dire dans le vlog, mais j'allaite en plus. Donc, je crois que déjà, ça aide pas. Et je vais manger une pomme et une pêche. Pourquoi une pêche? Parce que il en reste 2, elles sont vraiment en fin de vie. Donc je vais les manger pour pas les jeter et parce que j'ai faim. Enfin je pense que j'ai aussi j'ai faim. Donc je vais manger ça et je me dis tant que c'est des fruits,
je suis pas en train de niquer le régime, tu vois. Et j'ai vu dans la vidéo de la personne qui a créé ce régime aux œufs là, que entre les repas, si t'as faim, tu peux manger du concombre ou de la carotte ou du chou. Mais au niveau des calories, je pense que c'est pareil. Donc je vais manger. Je suis avec mon fils, on est dans la chambre. Chris est en télétravail en bas. J'ai reçu un peu d'eau. On se dit normalement à ce soir, s'il n'y a pas d'update. Normalement, le premier jour, je vais dead. Je vais pas craquer. Je vais aux courses. Il est 17h15. Il manque des petits trucs à la maison. Il n'y a plus d'eau, etc. Et j'ai faim. J'ai faim. J'ai trop hâte de manger le repas de ce soir. Donc je vais acheter de l'eau et tout. Je vais acheter des petits trucs en plus pour mon petit régime là. Parce que j'ai vu que la vidéo, c'est de la meuf qui a créé ce régime. Dans ses flocons d'avoine, je suis trop contente. Elle met du miel et tout, comme moi. Tu peux mettre des graines. Et tu peux mettre des amandes, tu peux mettre. Tu peux mettre des amandes, tu peux mettre des pruneaux. Je crois que c'est ça qu'elle a mis, j'ai revérifié. Donc je vais aller acheter tout ça pour rajouter dans mon truc de ce soir. Là, j'ai trop hâte de manger ça et je peux faire avec du lait en plus, pas forcément avec de l'eau. Donc je vais acheter tout ça et j'ai la dalle. J'ai trop envie de manger des fruits. Mais j'ai peur que ça nique le game, mais j'ai trop envie de manger des fruits. Je me dis peut-être que j'ai droit à plus de calories vu que j'allaite. J'ai trop envie de manger des fruits, laissez tomber. Même pas manger de gâteau ou quoi, mais des fruits. Bon les gars, je suis en train de faire mes flocons d'avoine, il est que 18h. Ça, les flocons d'avoine, vous les voyez, pardon, ils sont comme ça. Avec un peu de lait, un peu beaucoup. Et j'en ai plus rien à foutre là, et j'ai trop la dalle. Et j'ai trop faim, je suis à ça d'abandonner. Hey les gars, je suis grave contente là. J'ai bien mangé mon cookie, j'ai mangé un egg muffin, ça va mieux. Ça a compensé la journée là que j'ai passée. Hey, un régime à 900 calories, je peux pas, j'allais tomber dans les pommes. Je préfère manger mes fruits, mes légumes, ça va mieux. Je suis avec les mystères. J'ai toujours pas pris ma caméra, on est dimanche matin. J'ai essayé de faire le régime à l'œuf là, vous aurez vu, c'était un pur échec. Et là, on marche tranquillement pour aller au parc. Coucou les gars, alors là on est lundi, il est 9h31 et j'ai rendez-vous à 10h ce matin chez le dentiste. Chris l'a en télétravail en bas. Ça va, j'ai réussi à nourrir, endormir le petit, donc ça devrait aller le temps que j'ai à mon rendez-vous. C'est la première fois de ma vie que je vais chez le dentiste et j'ai 25 ans. C'est une honte, donc j'ai hâte d'y aller quand même, mais j'ai un peu peur, j'avoue. Je vous raconterai. De toute façon, je vais vous prendre avec moi. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra, j'ai filmé pas mal avec le téléphone. Faudrait vraiment que j'arrête. C'est une mauvaise habitude, surtout que j'ai une caméra qui filme super bien. Donc voilà, hier je vous ai filmé vite fait, on a fait une petite matinée en famille avec le chien, c'était trop bien, en plus il a trouvé une copine, j'essaie de vous mettre quelques images, je pense que je les ai filmées hier, et on a fait des photos, on est resté au parc, c'était trop trop bien, et après on est rentré, on a passé la journée tranquillement, il faisait super beau, donc ouais je vous ai pas fait vraiment un update par rapport, vous savez, au régime là, que j'ai voulu faire, oh my god j'ai plus de batterie. Mais ne pas faire ça chez soi. En fait, je voulais me donner un boost, faire une détox, je sais pas, perdre vite du poids et après rester sur mon alimentation parce que franchement, je mange vraiment bien en fait. J'ai une bonne balance entre les trucs pas hyper sains et les trucs très sains. Donc ça va, tu vois. Le problème, c'est que, guys, je crois que j'ai un petit complexe. Vous voyez là, j'ai une petite bouée. Je peux pas vous mentir, je pense que c'est quelque chose qui me complexe un peu. Mais bon, guys, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, c'est dans la salle de bain, c'est un peu le bordel. Là, je vous conseille de me brosser les dents. En fond, vous entendez Mago, Leslie Lawson, je regarde ton dernier vlog. Donc là, mais c'est cette bouée là qui me dérange.
fait une chaleur. Laissez tomber. Je transpire comme c'est pas permis. Je vais arriver pile poil à 10h au rendez-vous, donc ça devrait aller. Bon, c'est fait. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, c'est pas le truc le plus agréable, hein, le détartrage. C'est la première fois que j'en faisais un. Elle m'a grave jugée. Elle m'a dit, vous êtes jamais venue chez le dentiste? Je dis, non. Elle m'a dit qu'elle m'a prescrit une radio pour voir si... Bah, par rapport à mes caries, mes dents de sagesse, apparemment, elle est pas sûre que c'est des caries, mais elle va voir. De toute façon, j'y retourne cet après-midi parce que j'avais oublié ma carte vitale. Donc, j'y retourne cet après-midi pour lui remettre. Et voilà, go la maison. Bon, les gars, on reprend le vlog. Les 18h36. La journée, elle est passée vite en vrai. J'ai fait plein de trucs. Je pense que je vous avais pris ce matin. Je suis partie chez le dentiste. Enfin, chez la dentiste. J'ai fait quelques petites courses qui manquaient pour la maison. J'ai préparé des cookies. Trop bon, j'ai fait au chocolat noir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Chris, il a fait une journée de travail, il a fait le ménage. On a mangé de la loco ce midi, c'était grave bon. Et là, on était dans ma pièce, j'ai rangé parce que franchement, je sais pas si j'ai une vidéo de l'avant. J'ai dû prendre une vidéo. Faudrait que je regarde, mais c'était... Genre, on voyait même pas par terre, on voyait pas. Alors que là, ça va. Là, c'est que des trucs. Genre là, j'ai le hall Shein. J'ai plein de vêtements. Là, c'est des petits sacs. Et là, c'est une tenue pour un mariage. Et vous savez, là, il y a mes plantes. Que j'avais, enfin, mes fausses plantes que j'avais accrochées. Là, il y en a plein qui sont tombées. Donc là, bah, on est en train de passer un petit moment en famille. Aaron, il est tout ni. Il a juste sa couche. On a un peu joué avec lui, un peu l'éveillé et tout. Parce qu'il fait tellement... Parce qu'il fait tellement chaud que... Là, c'est bon, on le laisse comme ça, parce que nous habillés comme ça, on a chaud. Hein. Franchement, si je pouvais être comme lui, là, je serais comme lui. Hein. Ouais. En mode en culotte, torse nu. Donc voilà, et puis là, ce soir, peut-être qu'on va manger de la salade. Moi, je pense que je vais manger le reste de mon tzatziki. Et puis c'est tout. Hein. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Chris, on essaye de reprendre notre vie en main. Hein. Après un mois de notre retour, de Côte d'Ivoire. Là, je suis en train de penser de plus en plus à la dot, là, au mariage, de l'organisation et tout. Ce matin, j'ai eu ma mère au téléphone pour voir les chaises et tout ça. T'as demandé pour chez ton papy? Bah non, parce que en fait, en ce moment, papy est malade. Ah. Donc. Et voilà. Moi, j'avoue, je commence à être un peu stressée. Je sais pas ce que c'est. Non, mais j'ai peur que ce soit raté. Pourquoi soit, raté? Genre, il y a pas de. Genre, la pas d'ambiance et tout. Non, mais. Ouais. La déco, non. Bien fait. Non. Avec les couleurs. Toi, c'est plus la déco. Moi, j'ai peur qu'on soit gênés, nous. Et du coup, qu'on soit gênants. Non, pas du tout. Dans ma famille, mais non, parce que nous, en fait, c'est moi, on est pudiques. Du coup, j'ai peur qu'on soit là. Tu vois? Qu'on soit un peu gênés. Bon, on verra. En tout cas, c'est mon oncle qui sera le MC. Et il m'a assuré encore ce matin qu'il va dead. Donc, normalement. Au niveau d'ambiance, ça devrait aller. Faut absolument que je fasse le menu avec ma mère parce qu'on n'a pas du tout booké le menu. Bah, si vous aviez dit pour les sauces. Ouais, mais elle m'a dit je vais faire ça, quelques sauces, quelques grillades, mais elle m'a pas dit quoi exactement. Moi, j'ai envie de savoir exactement quoi, etc. Tu vois, j'ai envie d'être sûre. Et toi, Chris, qu'est-ce que tu as à dire? Rien. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Bisous. Guys, calculez pas le bazar. Il est 7h30. Oh my god. Ça fait on va dire presque une heure que je suis debout. Chris il a été au travail. On est mardi. Là je me suis mis en tenue de sport parce que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais reprendre le sport après quasiment un mois sans sport. Faudrait que je trouve la dernière photo où j'ai fait du sport. Là je vais reprendre parce que je pense que je vous l'ai dit hier, mais ce truc ici là, faut que ça disparaisse. Et même ça me fait du bien de faire du sport, donc vu que là je mange plutôt bien, tu vois, j'ai une bonne balance, donc j'ai bien envie de refaire du sport. Donc là je vais faire ma séance tranquillement. Moi je fais pas des grosses séances de sport, ça c'est un tapis que j'ai depuis je ne sais combien d'années, que j'ai acheté chez Decathlon. Ça fait je ne sais pas combien d'années que je l'ai. Franchement, ça date de ouf. Donc là,
Je vais faire ça tranquillement. Mon fils est en train de dormir. Je sais pas si je vous ai dit, mais on a un mariage dans... Attendez, combien aujourd'hui? Ouais, bah dans 10 jours. On a un mariage sur Paris de ma tante là. Et je vais mettre la robe verte là, celle-là. Son thème c'est soit tu mets du vert et du blanc, soit tu mets du rose pâle. J'avais une combinaison rose pâle, mais c'est trop dangereux à mettre parce que je peux pas mettre de soutif. Et si je mets pas de soutif, je peux pas mettre de patch qui protège mes tétons. Si je peux mettre de patch, mon lait va couler quoi. Ça c'est une robe qui vient de chez PLT, je l'avais mis à Noël quand j'étais enceinte. Elle est vraiment belle. Elle est comme ça. J'ai trop hâte de la mettre. Allez, donc là c'est parti pour la séance de sport. Je vais vite fait la mettre, je mets sur mon téléphone. YouTube c'est trop bien, tu peux tout faire en fait. Dans le dernier vlog, je vous disais qu'on avait commencé la série en 4 épisodes. You Don't Know Me sur Netflix, c'est pourri. Ah non, moi j'ai pas aimé du tout. Et Chris non plus. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!